Les musiciens de la place Saint-Michel sans leur public pour les applaudir. Depuis plus d'un an, les touristes ont disparu du quotidien du quartier latin. Astrid Mirabeau, guide touristique, se souvient précisément de ses tout derniers clients. C'était à Notre-Dame, 3 jours avant l'incendie. On est monté, on était un petit groupe de 6 personnes. Et donc on monte en haut des tours. Et on a à peu près 400 marches, on a un peu plus de 400 marches pour arriver tout en haut de la tour que vous voyez là sur votre droite. Et où on peut arriver au sommet de la tour et donc avoir une vue à 360 sur Paris depuis cette île de la Cité, ce qui est incroyable. Depuis ce jour-là, cette professionnelle du tourisme de 44 ans ne peut plus exercer son métier. Stoppée net par une crise sanitaire qui a vidé la capitale de ses visiteurs. Moi, en tant que guide conférencière, j'apprenais aussi beaucoup des personnes à qui je faisais visiter Paris. Il y a systématiquement une transmission, il y a un échange de toutes les façons, parce que ce qu'on propose aux touristes en tant que guide conférencière, c'est de vivre une expérience avec nous. L'an dernier, Paris a perdu plus de 33 millions de touristes. Et au milieu des rideaux de fer baissés, subsistent encore quelques commerces essentiels et une institution du quartier, la maison Bertillon. Le glacier a vécu le drame de Notre-Dame aux premières loges et regrette aujourd'hui le temps où les foules se pressaient à sa porte. Normalement, il y a la file d'attente pour le salon de thé qui part de ce côté-là. Alors, il y a la file des cornets qui se met des fois un peu en contrebas, là, en bas du trottoir, pour laisser une place à la file pour les glaces à emporter à la maison. Alors, des fois, c'est un peu la pagaille. En octobre dernier, cette adresse référencée dans les guides touristiques du monde entier a dû fermer son salon de thé. Mais la boutique, elle, tourne encore, avec quelques arguments sucrés à destination des connaisseurs. Là, c'est la saison, on est au printemps, il faut absolument qu'on sorte de cet hiver difficile. La Saint-Louis, c'est la spécialité du moment, enrobée de fraises des bois, et l'intérieur est un parfait vanille. Depuis un an, la maison a perdu plus de 60% de son chiffre d'affaires et a dû mettre 3 de ses 18 salariés en chômage partiel. On travaille moins, mais on adapte la fabrication. On essaye de faire beaucoup de choix, mais en plus petite quantité. Et tant que nos clients sont là pour venir acheter une fois, des fois, deux fois ou trois fois par semaine leur dessert, pour nous, on est sauvés, c'est bon. Et je la sors du congèle. Oh, voilà mon client préféré. Le client préféré habite juste en face. Un habitué, pas mécontent de se réapproprier un peu son glacier favori sans faire la queue. Là, c'est comme une respiration. Enfin, on peut le prendre hein, comme une respiration. C'est un drame, évidemment. Moi, je l'ai vécu comme une... guerre. Oui, moi, je suis en face, hein. J'étais en bas, j'avais pas resté dans ma chambre. Marqués par les événements, les Parisiens sont au chevet de leur commerce. Mais aussi, et c'est plus étonnant, à la rescousse de certains hôtels de luxe dans la capitale. L'un des points forts de cette suite que nous avons au Jardin du Faubourg, c'est cette terrasse qui est assez exceptionnelle puis agréable, parce que vous êtes quand même dans le cœur de Paris. Je me rappelle, juillet-août 2019, avant le Covid, j'avais une princesse du Moyen-Orient qui habitait un mois et demi ici. Malgré la disparition de la clientèle étrangère, ce 5 étoiles est l'un des très rares dans le quartier à avoir fait le choix de rester ouvert. Alors ce qui a énormément changé, et je pense que personne, enfin même moi qui ai quand même déjà 25 ans de métier, c'est la clientèle locale. Et quand je dis locale, on a carrément des clients qui habitent à 2 rues d'ici. On remercie tous les Parisiens parce que le week-end, on est toujours complet grâce aux Parisiens. Grâce à eux, l'hôtel fait encore travailler une vingtaine d'artisans et de fournisseurs locaux. Quant aux salariés, les effectifs sont réduits de moitié la semaine. Mais le week-end, l'équipe est au complet et le chef concierge s'estime plutôt chanceux. Si j'ai effectivement beaucoup de collègues, confrères, concierges qui vont devoir trouver une nouvelle activité, soit un nouvel établissement qui pourra les accueillir, soit carrément changer, j'en connais certains qui vont carrément changer de branche. Astrid, par exemple. La guide conférencière de Notre-Dame travaille aujourd'hui comme assistante dans l'immobilier. Une reconversion qu'elle espère temporaire.